Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, va devoir quitter le Royaume-Uni pour être extradé vers les États-Unis. Un juge du tribunal de Westminster ordonne son extradition. Toutefois, cette ordonnance est soumise à l'appréciation du ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, qui dispose du dernier mot. Julian Assange risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir rendu public dès 2010 des dizaines de milliers de documents diplomatiques confidentiels sur les guerres en Irak et en Afghanistan. Ses défenseurs mettent en avant la liberté de la presse et le droit à l'information. La Cour suprême britannique avait refusé en mars dernier de se saisir du recours du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, contre son extradition vers les États-Unis. Julian Assange est un journaliste australien âgé de 50 ans. Il a fait fuiter en 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, ce qui avait provoqué un tollé à l'époque. En janvier 2021, la justice britannique avait pourtant tranché en sa faveur, refusant d'accorder l'autorisation de son extradition. Kenchi Ismaila Desma, Zoom IT News.